Dialogue inter-malien, comment faire pour éviter les erreurs du passé? Par un décret pris le 26 janvier dernier, il a donc été créé auprès du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, un comité de pilotage du dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale. La création du comité intervient au lendemain du rejet par le Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, en raison notamment de son inapplicabilité. Ce comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix est donc chargé de la préparation et de l'organisation de ce dialogue. Le dialogue intermalien peut-il réellement être une alternative à l'accord de paix d'Alger? Et son lot d'irrégularités, comment faire pour éviter les erreurs du passé? Élément de réponse à suivre dans un très court instant dans le cadre de cette émission de For You Matin. En deuxième partie, nous reviendrons sur l'initiative de paix portée par le continent africain du côté de l'Ukraine. Souvenez-vous de cette mission de paix qui avait fait le tour, qui s'était rendue à Kiev. Puis à Moscou, c'était au mois de juin 2023. Jusqu'ici, ce plan de paix a été jugé difficile à implémenter. L'initiative de paix africaine ne semble pas pour autant aujourd'hui emballer le bloc occidental, plus disposé à œuvrer pour infliger une défaite à la Russie qu'à chercher un règlement pacifique et durable. Une approche qui signifie clairement l'exclusion de 54 pays du continent africain et de bien d'autres. Nous en parlerons également ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Une fois de plus, vous l'avez compris, le timbre de ma voix, avec notamment la même détermination, la même énergie, le même enthousiasme. Chaque matin, on vous retrouve pour votre matinale informative. C'est For You Matin qui démarre à l'instant, avec notamment son équipe choc en place sur le plateau, en présentiel. Anatole Albert Aïssi est avec nous. Directeur de publication, il est. Et surtout journaliste, oui, consultant permanent de cette émission de For You Matin. Bonjour à vous, DP. Bonjour à vous, Baudelaire Nguiné. Je dis bonjour à mon frère Talo Talo. Mmh. Je crois que c'est Lulusson et les autres qui, oui, sont de l'autre côté. Mmh. Je dis bonjour aux techniciens ainsi qu'au top management de Forum Média, Radio Forum Média TV et les autres plateformes qui permettent, n'est-ce pas, à notre tribune, à cette tribune, n'est-ce pas, d'être visible. Mmh. Je dis bonjour à l'Afrique, je dis bonjour au peuple noir, bonjour à ces peuples qui sont opprimés. Je voudrais, comme mon habitude, entrer dans cette émission par un coup de gueule, comme mon habitude. Mmh. Cette semaine, il y a un diplomate, un officiel américain qui a laissé balader du côté de la Guinée-Conakry. Je parlais du sous-secrétaire américain chargé, n'est-ce pas, des affaires africaines, un certain Mike Hedge, qui allait là-bas s'enquérir de la situation, n'est-ce pas, de la transition, de la situation démocratique, du processus démocratique, mais surtout de liberté de la presse. J'ignore à quel titre lui il se donne la liberté d'aller s'enquérir des choses qui ne concernent ni guerre, ni les États-Unis, ni lui. Il me semble que les États-Unis ne sont pas une démocratie, à proprement parler. Nous avons des contradictions, des exemples, la profusion dans ce sens. Mmh. Il me semble que du côté des États-Unis, la liberté de la presse, c'est vrai, est avancée. C'est quelque chose peut-être de palpable, mais elle reste subjective. Mmh. Donc nous pensons que dans le contexte du basculement, n'est-ce pas, de la dynamique géopolitique actuelle vers la multipolarité, il faut quand même que les Américains cesse un peu de donner des leçons de morale aux autres en matière, n'est-ce pas, de principes démocratiques, oui, en matière de respect de la liberté de la presse, mm, en matière de respect du droit international, parce que eux, mm, ils sont dans les concepts auxquels ils ne croient pas du tout, mais qu'ils imposent aux autres comme si c'était une panacée, mm, pour tout le monde. C'est un universalisme là dans le contexte actuel. C'est un peu plus passé, merci pour l'invitation. Voilà. La Guinée, ou les États-Unis, Anatole Albert Aïssi appelle les autorités à tout faire pour restaurer la liberté de presse. Resté donc 6 jours en Guinée, le sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest a terminé sa visite dans le pays depuis mercredi dernier. Le diplomate américain a donc pu rencontrer de nombreux responsables du gouvernement, mais n'a pas eu d'entrevue avec le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Michael Hurt a rappelé cependant l'attachement des États-Unis à la transition
démocratique et à la liberté de presse qui fait d'ailleurs l'objet de votre coup de gueule de ce matin. Avec nous également ce matin en direct de la Suisse, Monsieur Talo Talo, vous êtes toujours présent quand vous êtes sollicité. Merci à vous pour cette marque de disponibilité. Bien le bonjour à vous très cher monsieur. Bonjour Ndiéné, bonjour aux 3A, à ici, bonjour à Chilamson, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à nos chefs d'État. Monsieur Ndiéné, mon coup de gueule ce matin, c'est déjà une félicitation que je mets à adresser au président du Mali et aux autorités du Mali en général, en particulier le président Assimi Goïda. Ils ont organisé au Mali ce qu'on appelle les États généraux d'éducation. Donc, premièrement, il faut les féliciter et leur dire merci. J'ai lu. Alors, ce qui en est découlé, c'est que on parle là, ici, il y a eu 18 thématiques qui ont été abordées. Et dans les principaux, parmi les principaux, je ne vais pas citer tous ce que vraiment il faut retenir, deux ou trois. Il s'agit de l'enseignement des langues nationales, des langues africaines du Mali, dans tout le cycle, si je me souviens bien quand j'ai écouté hier, dans tout le cycle de l'enseignement. Ce qui est très bien. Mais nous, enseigner les langues, quand on dit, quand j'ai écouté, peut-être que j'ai mal compris, on veut enseigner les langues comme si c'était des langues étrangères. Ce n'est pas ce que nous voulons. On doit nous dire que l'enseignement doit se faire dans les langues du Mali. C'est ça que nous apprenons. Nous n'attendons pas. Parce que là, ce que j'ai trouvé, c'est comme si on dit, on entend dire que l'enseignement va continuer en français et qu'on va aussi enseigner les langues du Mali à côté. Comme si on enseigne l'anglais, on enseigne l'italien à côté. C'est pas ce que nous voulons. Notre président, Assimi Goïta, ceux qui ont fait ça là, ils n'ont pas vu la vision panafricanisme. Ils nous amènent là. Ils ne nous font pas évoluer en fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont dit que l'enseignement obligatoire, qu'on appelle, voilà, c'est ça, l'enseignement obligatoire des langues nationales à tous les niveaux de l'enseignement. C'est exactement le mot qui est, la phrase qui a été prononcée. Ensuite, ils ont dit, mise en place d'un curriculum national fondé sur les valeurs et la culture malienne. C'est très bien. Mais nous espérons qu'ils vont aller au-delà de ça. Parce que, ici, il s'agit de pouvoir savoir, premièrement, que les gens qu'on a appelés, ces pédagogues-là qui sont réunis pour pouvoir faire ce travail-là, ils ont vraiment le background panafricain nécessaire pour le faire. Il ne faut pas jouer avec ça. Nous répétons à nos chefs d'État. Deuxième chose, pour finir, pour ce coup de gueule, le Burkina Faso a dit aussi qu'il va enseigner aussi la culture burkinabé aux enfants là-bas. Le Mali dit la culture malienne, les valeurs maliennes, mais nous sommes dans l'AES. Nous voulons tendre vers l'État fédéral qui va englober déjà ces trois pays-là, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Mais si vous continuez, vous commencez déjà, chacun dit je vais enseigner seulement à mes enfants et je vais enseigner seulement à mes enfants, on n'arrivera jamais, mes présidents. On n'arrivera pas jamais. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est que les ministères de l'éducation, premièrement, on espère que tous ils sont profondément des panafricains. Ils doivent se réunir, comme vous le faites dans le domaine de la sécurité, et ils doivent mettre cette question sur la table maintenant en appelant tous les panafricains, les sachants, que ce soit au Cameroun, en Centrafrique, ou très loin. Parce qu'il faut préparer quelque chose pour l'Afrique et non pas pour la région. Et vous, on veut que vous soyez les initiateurs qui amènent un programme qui va enseigner les humanités classiques africaines. Parce que là, j'entends Mali, culture malienne, et on n'entend rien de panafricain là-dedans, de afrocentricité là-dedans. On n'entend rien et ça nous fait peur. Il faut redresser la situation maintenant. Je vous le demande, nous vous le demandons, nos présidents, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Adouane Tchaï. Merci. Merci à vous. Talo Talo, votre coup de gueule sur l'urgence de la réforme du système éducatif, mais surtout, il faudrait plus que jamais l'adapter aux réalités actuelles. Merci à vous, Talo Talo, pour ce coup de gueule également ce matin en direct du nord des États-Unis. Vous êtes précisément au Canada. Vous êtes le leader du projet panafricaniste Pyramide, le président du mouvement pour un Togo nouveau, coordinateur de la diaspora togolaise. Vous êtes analyste politique, économiste. Monsieur Che Elou Lawson, vous êtes également des nôtres ce matin. Bien le bonjour à vous, très cher monsieur.
Bonjour à mon cher Guéné. Permettez-moi de partager votre énergie, votre engagement et votre détermination qui permet de préparer ce café matinal pour toute l'Afrique, pour tous les panafricanistes, mais au-delà également du continent, pour toute la diaspora. C'est toujours un plaisir pour moi de partager votre plateau, de saluer toute votre équipe de techniciens, la direction de Forum Media et tous les journalistes. Monsieur Guéné, ce matin encore, je voudrais bien, comme à l'habitude, toujours placer au cœur de toute la dialectique panafricaine la question togolaise, avec ses centaines de prisonniers dans les geôles de Fonassimbé, parmi lesquels une dame, 5 ans d'emprisonnement sans jugement, elle est malade, elle est en détresse, on lui a arraché son bébé et la justice togolaise ne daigne même pas se prononcer sur son cas, elle est oubliée dans les geôles. Il y a le cas de Oumoulou, Jean-Paul, togolais en Suisse, rentré au pays, arrêté, jeté en prison, torturé. La Cour de justice de la CEDEAO est intervenue, a plaidé, a donné gain de cause pour ce citoyen africain togolais et a condamné l'État togolais de payer 12 millions de francs CFA pour torture, traitement inhumain dégradant. Mais l'État togolais, Fonassimbé, s'enferme dans un mutisme, dans un autisme incroyable et inhumain. C'est un appel donc à tous les panafricains de porter les Togolais au cœur pour qu'ensemble nous puissions faire tomber ce dernier régime dictatorial monarchique qui est le prototype le plus achevé de la France-Afrique, de tout ce que l'Afrique a de noirceur, c'est-à-dire la prédation, la violence, l'esclavagisation du continent. Voilà, merci pour cette invitation, cher Guéné, et je voudrais bien terminer par saluer Talo Talo et notre triple A, le directeur de publication Anatole Aïssi, pour sa grille de lecture, ses perspectives qu'il vous apporte et qui nous nourrit chaque matin. Merci pour cette invitation. Merci à vous, Monsieur Che Elou Lawson. Messieurs, nous avons une question ce matin au cœur de cette émission de For You Matin. Comment faire justement pour éviter les erreurs du passé? Revenant sur cette échéance qui attend les Maliens, parlant du dialogue intermalien. Le 26 janvier dernier, un comité de pilotage a été créé par décret présidentiel du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Un comité de pilotage qui a donc pour charge, ou du moins pour principale mission, de préparer, de mettre bien sûr, entre autres, sur pied tous les leviers possibles qui permettaient donc aux Maliens de se parler. Bref, on a souvent l'habitude de le dire, le linge sale se lave en famille. Cette fois, après donc avoir mis un terme définitif à l'accord de paix d'Alger, les nouvelles autorités se sont tournées vers un dialogue intermalien où chaque Malien devra s'exprimer pour qu'enfin la paix et la réconciliation soient plus que jamais de mise de ce côté. Je vais démarrer sur cette question avec vous sur le plateau à Natella Alberaï ici. Quelle est l'appréciation que vous faites justement de ce dialogue intermalien qui est clairement convoqué par les nouvelles autorités, ou du moins par les autorités maliennes? Elles sont loin d'être nouvelles. Elles sont des autorités légitimes aujourd'hui en place du côté du Mali. On parle de la mise sur pied de ce comité de pilotage qui a été créé par décret présidentiel au lendemain du rejet de l'accord d'Alger. Cet accord, souvenez-vous, qui avait été signé il y a 9 ans de cela. Jusqu'ici, un accord qui a montré clairement ses limites, son incompatibilité, voire son inapplicabilité sur le terrain. Dialogue intermalien, votre appréciation justement de cette démarche des autorités? Écoutez, nous avons l'habitude de dire sur cette tribune qu'il est impératif de résoudre les problèmes, les contradictions africaines, oui, avec des solutions africaines. Et non pas des solutions venues de l'Est, suggérées de l'extérieur, ou influencées par l'extérieur. Parce que, par le passé, les pauvres nos ancêtres, il y avait ce qu'on appelait la loi palable. Oui. C'était ça l'expression de la véritable démocratie, contrairement à ce qui est souvent amplifié par les démocratiseurs universels.
qui nous font croire que c'est eux qui nous ont apporté de la démocratie qui constitue, paraît-il, un luxe pour les pays africains. Il faut donc que la crise, les différentes crises, n'est-ce pas, qu'aura connu le Mali, d'autres les solutions endogènes. C'est le temps que, exception faite des dynamiques exogènes, alimentées de l'extérieur, notamment par les États-Unis, la France, l'Union européenne, exception faite de ces dynamiques, de manière totale et globale, les problèmes auxquels sont confrontés les Maliens restent avant tout une affaire de Maliens. C'est important de le dire. C'est vrai qu'il y a des dynamiques de déstabilisation au travers des terroristes qui sont financés de l'extérieur, au travers des terroristes qui sont justement soutenus de l'extérieur, au fait, n'est-ce pas, de balkaniser, de partitionner le Mali. Il faut absolument justement que, et nous l'avons d'ailleurs proposé par le passé, que même les Touaregs, qui sont soutenus de l'extérieur par les dynamiques, les laboratoires de déstabilisation, sont des Africains, ce ne sont pas des étrangers. Je crois que ces Touaregs ont des familles des deux côtés de la frontière malienne, mauritanienne ou nigérienne. Donc il est important, impératif, que les Maliens se parlent. Fini l'époque c'est-à-dire où on faisait recours à des solutions exogènes pour tenter peut-être de trouver une solution pour la paix et la réconciliation du côté du Mali. En 2015, par exemple, on se souvient que plusieurs pays s'étaient réunis pour qu'on trouve enfin un terrain d'entente autour de cet accord d'Alger, avec la signature, avec notamment tous les espoirs qui avaient été mis sur ce processus pour amener la paix entre notamment l'État et certains fils égarés de la patrie. On a l'impression que depuis les premières heures d'ailleurs de sa signature, à son exécution, aucune partie clairement n'a, entre autres, voulu se soumettre au regard justement des irrégularités qui ont été observées. Non. Présenter la situation comme ça, c'est pas tout à fait acceptable, M. Nguéné. Il y avait une clause de non-agression dans l'accord d'Alger de 2015. Il y avait une clause de non-agression. Et cette clause de non-agression a été violée par les terroristes, la coordination des mouvements de la Zawat. C'est-à-dire qu'il était question de donner véritablement une chance à la paix. Et cette clause de non-agression étant violée, ça emportait les effets, de mon point de vue, n'est-ce pas, de l'application des accords de l'accord d'Alger. C'est pour cette raison que les autorités maliennes, parmi tant d'autres, n'est-ce pas, arguments, ont pensé que cet accord n'était plus applicable dès lors que l'une de ces clauses a été violée par l'une des parties. C'est-à-dire des terroristes. Mais c'était un accord qui ne satisfaisait pas de l'autre côté le gouvernement parce que ça militait pour une partie du Mali. J'y arrive. Ça, c'est tout à l'heure, j'ai parlé de l'une des raisons. Oui. La seconde raison était le fait que pratiquement on mettait, n'est-ce pas, le Mali, un pays souverain, sous la tutelle de la communauté dite internationale autoproclamée, c'est-à-dire pilotée par l'Union africaine, par l'ONU, par l'Union européenne. Bref, et en plus, chose curieuse et contradictoire, j'ai envie de dire paradoxal, c'est qu'il était, il était imposé, en plus de la mise sous tutelle d'un État souverain, mais sur de balkaniser, de partitionner le Mali, si ce n'était pas le cas, il fallait imposer au gouvernement, aux nouvelles autorités maliennes, de la mise en place pratiquement d'une sorte de gouvernement de coalition. De coalition, c'est-à-dire que gouverner avec les terroristes, c'est-à-dire ceux-là même qui combattent, qui s'investissent à déstabiliser les institutions de la République, de tuer les populations civiles, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, les violer. Bref, c'était absolument inacceptable. Et ensuite, le contexte n'est plus le même. Le contexte de 2015, parlant de la situation sécuritaire, qui était totalement dégradée, c'est-à-dire que la majorité, pratiquement plus de 80% du territoire malien était entre les mains des terroristes.
Nous sommes en 2023, nous sommes en 2024, tant pour moi, c'est plus ça. Aujourd'hui, les autorités maliennes, l'armée malienne, a récupéré pratiquement la totalité de son territoire. Et qu'elle se contrôle en dépit des dynamiques, de déstabilisation qui sont portées par les terroristes. Je parle ici des groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le contexte n'est plus le même, dans tous les cas. Il faut donc changer le logiciel. Pourquoi ? Parce que, en réalité, les accords de l'AG, c'était un instrument géopolitique. Un instrument géopolitique avec le visage, avec un visage à peine voilé, enfin, avec le voile, n'est-ce pas, d'un projet de réconciliation nationale et de paix. Malheureusement, est-ce que, au terme, n'est-ce pas, de la signature de cet accord d'Alger, est-ce que la paix est revenue au Mali? Non. Est-ce qu'il y a pu avoir une réconciliation? Non. Il n'y a pas eu de réconciliation nationale. C'est le temps que Paris a continué à alimenter justement les dynamiques des replis identitaires, un peu comme Macron l'a fait, s'agissant du Niger, où il a donné l'impression que il y avait une sorte de stratisation, oui. d'une certaine tribu minoritaire, c'est-à-dire les Touaregs du côté du Niger. Or, alors que c'est faux. Donc, ils voulaient justement instrumentaliser cela. C'est la même chose qu'ils voulaient faire du côté du Mali. C'est-à-dire que chercher à instrumentaliser certaines tribus, alors que du côté du Mali, oui. il n'existe pas du tout des questions de tribalisme, par exemple, oui. de tribalisme. Il n'existe pas des questions de repli identitaire. Il existe tout simplement un fait que connu de tout le monde, à savoir que au nord du Mali, il y a des groupes terroristes, il y a des groupes armés qui cherchent justement à diviser le pays parce qu'il y a le contrôle, n'est-ce pas, des matières premières, ce contrôle-là. Il y a le trafic d'armes, le trafic de drogue. Vous avez les trafiquants de drogue. Ouais. C'était ça, en fait, le projet. Donc, nous pensons donc que, à l'instar de ce qui s'est passé par le passé avec nos ancêtres, il faut que les Maliens s'assoient autour de l'arbre à palabre pour régler le problème. Et je pense que ça peut marcher ainsi. Ça peut marcher certainement par ce dialogue intermalien. Alors, Talo, est-il l'alternative à cet accord d'Alger paraffé en 2015 et censé jusqu'ici amener la paix et la réconciliation du côté du Mali? D'aucuns estiment que le Mali, jaloux de son unité, de son caractère unitaire, de sa diversité culturelle, de sa richesse, voire de ses croyances, doit clairement aujourd'hui se lancer dans ce dialogue intermalien en vue de mener des discussions directes et franches, parlant justement de ce linge sale qui devrait se laver en famille. Dialogue intermalien, une alternative à l'accord d'Alger pour vous? Permettez-moi d'abord de rappeler un bon adage africain. Il dit, on s'en va, il dit, Zoaïke Dokorobo, Ti Waziba, Rio Serba. Ce qui veut dire, nous avons un de nos panélistes qui a l'habitude de dire, qui l'a dit, ça m'a permis de traduire, il dit, on ne piétine pas les testicules d'un aveugle de peau. On ne peut pas revenir pour faire les mêmes erreurs toujours. Il faut éviter les erreurs. Nous avons parlé pendant plusieurs émissions ici de l'accord qu'on appelle accord de paix d'Alger, qui en principe c'est l'accord de sécession du Mali. Nous avons démontré à travers les articles de cet accord-là que les Occidentaux, il faut bien le dire, les Occidentaux, après avoir mis le feu au Mali, la France et les autres, quand ils ont brûlé la Libye, ils ont mis le feu au Mali. Et donc, ils ont opposé les Maliens entre eux. Ce n'est pas un problème. Il faut bien qu'on fasse la distinction. Au départ, ce n'était pas un problème intermalien. Les Maliens ne se sont pas levés d'un jour au lendemain pour s'opposer les communautés, une communauté contre une autre. On a poussé les Maliens, on les a amenés à devenir des ennemis entre eux. On a amené des gens de l'extérieur qu'on a fait
technique occidentale utilisée. Ils l'ont fait dans plusieurs pays en Afrique. Ils ont habillé certains en Touareg, d'autres en, comment on appelle, dans, en Mandingue. Je prends un exemple de Touareg et Mané. Et quand ils habillent certains Touareg, les Touareg vont attaquer les Mandingues, c'est-à-dire ces faux Touareg vont attaquer les Mandingues. Et comme ça, les vrais qui ne savent pas pensent qu'effectivement, on a été attaqué par les Touareg. Et vice-versa. Vous voyez? Donc, ça dit que c'est des manœuvres vraiment diaboliques, très diaboliques. Ça dit que même le diable n'arrive même pas à ce niveau pour pousser les gens à s'entretuer. Et quand ça vous arrive comme ça, et que vous ne le savez pas sur le champ, vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous devez répondre à l'attaque. Vous dites que non, notre communauté a été attaquée, et vous réagissez. Et donc, du coup, c'est ça qui a généré ce que nous appelons aujourd'hui. On appelle les gens en disant que les Maliens, il y a un conflit intermalien, il va falloir que les Maliens puissent se mettre sur la table et de dialoguer. Mais, M. Nguéné, j'ai toujours l'habitude de dire ici que nous devons nous poser un certain nombre de questions. Et ça, c'est très important. On doit se demander comment se fait qu'un peuple, un individu puisse accepter, comme je l'ai dit, que les gens ont été manipulés, n'est-ce pas? Donc, comment se fait qu'un individu conscient, un blanc, un français, un américain vient le voir, il est malien, on lui donne une arme et on lui dit, écoute, va faire ça parce qu'on aura aussi à partager. Et puis, c'est pas n'importe quoi qu'on lui demande, c'est pas n'importe quoi. On lui dit d'aller tuer et massacrer les siens, les gens qui le ressemblent. Il accepte. Nous devons nous poser la question sur l'état d'esprit à ce moment-là de la personne. Est-ce que vous pouvez le faire aujourd'hui, venir avec même des milliards, voir un Français blanc en France, vous lui donner de l'argent? Il est par exemple du nord de la France, l'ethnie ici, et vous lui dites d'aller maintenant tuer les Catalans, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies ici, on n'en parle pas. Hein? Vous lui dites d'aller massacrer les Catalans comme ça, vous allez mettre le feu à la France. Vous pensez qu'il va accepter? Il ne va pas accepter. Il va vous dénoncer. Pourquoi il va vous dénoncer? Parce qu'il est ancré dans sa culture. Il a été déjà. Et là, c'est là où on apporte. On revient toujours à la question de l'éducation. Dès son bas âge, on lui apprend à dire que toi, c'est français. Toi, c'est français et que tu ne dois pas t'opposer ou tuer un français manipulé par quelqu'un, accepter d'aller tuer un autre français ou alors un autre occidental. Dès le bas âge, on lui a mis dans la culture les humanités classiques grecques ou occidentales. Il a appris ça. Vous voyez, nous devons nous poser, et je pense et j'espère que cette question, de questionner cette question lors de ces assises-là, de ce dialogue intermalien, on ne va pas seulement se rencontrer comme on l'a fait ailleurs, et dire, on n'accuse pas, on ne remonte pas, on ne pose pas les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Juste on dit, ben voilà, ok, on va maintenant se pardonner, on va reprendre. Non, 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 c'est pas ce qu'on veut. Ça serait quoi les bonnes questions dans ce contexte, M. Tallo? Parce que là, il faudrait que les Maliens se parlent avec franchise, avec sincérité, pour ne plus replonger dans les erreurs du passé. Il faut donc se poser ces bonnes questions. Lesquelles, M. Tallo? La première bonne question que nous demandons aux Maliens, ou partout où les Occidentaux ont manipulé les Africains, les uns et les autres, de s'opposer, la première bonne question, c'est de dire, comment se fait que certains de nôtres puissent accepter l'arme ou les armes que l'Occident vient et les Arabes viennent leur donner en disant, prends cette arme-là, va tuer l'autre. Dans quel état d'esprit est-ce que c'est possible que cette personne a pu accepter? Quelle information ils lui ont communiqué? Quelle formation il a reçue? Quel média il écoute? Quelle école? Quel programme scolaire, contenu du programme éducatif, il a suivi? Quelle aussi religion il a pratiqué? Et qu'est-ce qu'il en dit là-bas? Il faut poser ces questions de fond. Parce que ça vient du contrôle mental. C'est là, au niveau psychique, c'est au niveau de la pensée. Comment un homme peut accepter, j'accepte de dire, ok, vous, gagnez mon cadet, on me donne une arme et je vais là-bas, je tue vos enfants, votre femme, tout ça parce qu'un blanc est venu, il m'a donné une arme et j'accepte. À quel moment je décide?
C'est ça la première, la plus importante question. Et quand on pose cette question et on en a conscience, on ramène à la question de l'éducation. On ramène à la question culturelle. On ramène à tout ce qui nous entoure, les médias occidentaux, l'environnement dans lequel nous sommes baignés. Et là, la réponse ne peut se trouver que dans le panafricanisme, dans l'afrocentricité. La réponse ne peut se trouver que dans l'enseignement des humanités classiques africaines et non pas de faire quelque chose sur mesure pour le Mali en disant, ben voilà, seulement sur la, basé sur la culture malienne. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire par la culture malienne, parce que le Mali, l'empire du Mali était plus vaste que ce Mali aujourd'hui. Hein. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Et on se demande, quels sont ces gens-là? Est-ce que c'est les pédagogues? On ne peut pas demander à ceux qui ont contribué, c'est-à-dire ou non, directement ou indirectement, ceux qui ont été formés dans un système, le système français, on prend le cas du Mali, les pédagogues, si c'est à eux et qu'ils n'ont aucune conscience panafricaine, qu'ils n'ont pas les consciences des enjeux, de ce que les travaux qui ont été faits par les chefs de Diop et autres, si ce sont ces gens-là qu'on a pris, on a mis sur la table pour faire, par exemple, ce qu'on appelle les états généraux de l'éducation, je dis à, nous disons à notre président Assimi Goïta, vous êtes en train de prendre un chemin que vous ne savez pas, c'est-à-dire qu'on fait du sur place. Parce que la question de l'éducation, M. Nguéné, c'est la question centrale. C'est via l'éducation, via l'information que l'Occident nous domine. Ne pensez pas, l'armée vient après. Il faut d'abord qu'on t'affaiblit psychologiquement. Tu dois être détruit. Tu dois accepter dès que le blanc se présente à toi. Comme l'a dit Patrice Lumumba. Si demain on me tue, c'est parce qu'un blanc aurait armé la main d'un noir. L'autre a dit, comment il s'appelle, Malcolm X a dit, seul un idiot peut permettre à son ennemi d'instruire son enfant. La question de l'éducation, si tu as compris, je dirais même que nos débats ici ne doivent pas, à chaque fois que nous avons les débats ici, nous devons mettre, c'est-à-dire à la fin, chacun doit finir en prononçant le mot éducation là-dedans, qu'on doit changer le système éducatif. Et après, il y a l'unité, c'est-à-dire création, pour nous faire la force, unir, unis, on devient fort. Donc, il faut placer cette question-là au centre. Après, maintenant, vient les questions économiques. Parce qu'une fois que la personne, non seulement elle est affaiblie mentalement, et qu'elle n'a rien, et qu'elle a besoin de nourrir sa famille, ou rêve de devenir grand, on vient, on lui propose de l'argent, comme on a écouté que Macron aurait dit dans une vidéo qui passe que certains Français, là, vous avez les moyens à votre disposition pour aller maintenant chercher à tuer les assimilés et tout ça. C'est-à-dire, les moyens, c'est l'argent, n'est-ce pas? Donc, il y a la question économique, la question éducationnelle, et il y a la question économique après, parce que la pauvreté, c'est la pauvreté aussi qui engendre ces choses-là. La pauvreté engendre la jalousie, la haine, la destruction. Si à côté, moi je ne vis pas bien avec l'autre, je vis bien, même quel que soit mon état d'esprit à un moment donné, la jalousie va naître. Donc la question de la répartition aussi des ressources, c'est-à-dire de faire profiter aux populations du Mali, eh bien, équitablement, d'une manière équitable, les ressources du Mali, plein de ressources du Mali. Il faut mettre ça sur la table. Et c'est ce que fait à côté, et je crois que Assimi aussi a commencé, il le fait bien, c'est ce que a fait, vous lisez les discours de Ibrahim Traoré. Vous allez voir qu'il a pris conscience, mais d'une manière profonde de ces choses-là. Quand il dit, par exemple, que nous allons nous attaquer à l'esclavage, l'esclavage, c'est-à-dire les gens, sociétés intermédiaires qui embauchent, ils sont là, on les demande d'aller embaucher pour pouvoir faire travailler quelque part. Si on paie la personne 300 000, la personne qui doit travailler 300 000, ils vont donner 80 000, ils vont embaucher les autres. C'est de l'esclavage, nous allons nous attaquer à ça. Toutes ces questions doivent être mises sur la table. Mais la question fondamentale, je reviens encore dessus, c'est la question de l'éducation. Pour sortir, Talo, sur ce premier jet. Oui, donc la question fondamentale que nous devons revenir, c'est la question. Ensuite, il ne faut pas revenir sur l'accord d'Alger parce que nous avons lu dans l'article, ils disent qu'il faut reprendre un certain nombre de points importants de l'accord d'Alger. Il n'y a aucun point qui est important pour faire la paix là-bas au Mali dans l'accord d'Alger. C'est un accord de sécession du Mali. Le président, notre président Assimi Goïta a dit qu'on ne revient plus dessus. Il ne faut pas qu'on prenne un point, même un point, on va amener ça sur la table, là on va négocier. On ne fait pas nous. Nous, peuple malien, nous ne voulons pas. On peut néanmoins se servir, M. Talo, peut-être des irrégularités de l'accord de paix, du moins de l'accord d'Alger, ces irrégularités, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs.
Oui, on peut se servir, mais ça dit qu'il faut, il faut faire très attention de venir. En fait, il faut juste pointer du doigt. Oui. Dans cet accord-là, vous avez vu, il y a les Occidentaux, n'est-ce pas? Ce sont les garants de l'accord, n'est-ce pas? D'abord, c'est eux qui ont rédigé l'accord avec l'Algérie. Il faut pointer du doigt eux. C'est eux qu'on doit parler de ça. On dit que c'est eux qui ont amené. On doit expliquer comment ils ont fait pour à parvenir à l'accord. On commence par vous pousser à vous entretuer entre vous. Ensuite, maintenant, on vous dit, maintenant, il faut faire un accord. Un accord pour qu'on prépare comme on a coupé le Soudan en deux. Il faut expliquer, utiliser ça juste un support pour dire, regardez la manière dont ils procèdent. Maintenant, quant à l'Algérie, vous avez vu que l'Algérie continue de gesticuler. Mais ce que nous voulons demander à nos autorités du Mali, c'est quoi? Nous avons appris, et jusqu'à présent, nous attendons qu'ils nous donnent aussi des éléments factuels. Nous avons appris que l'Algérie exploiterait depuis des années les ressources, en particulier le pétrole du Mali, depuis la région du Kidal, qui aurait des pipelines qui tireraient ici et qui arriveraient là-bas. Nous demandons à nos autorités, c'est vrai que chaque chose a son temps, mais le problème c'est qu'en ce moment, puisque vous ne nous mettez pas les preuves pour que nous exposons au peuple malien, au monde, au moins un indice de preuve, Voilà. vous ne nous mettez pas. L'Algérie continue de gesticuler comme si elle ne se reproche rien. Si vous avez les preuves de cette source-là, donnez-nous quand même une vidéo. Ça va permettre, parce que là, dès qu'on l'Algérie va amener quelque part, il va aller dans un pays, on dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Mais regarde, tu as dit que ce sont tes frères qui t'ont Voilà. aidé là, pour ton indépendance. En Et toi, 30 secondes. tu les exploites. Oui, pour Donc, sortir de ce premier jet, voilà. Monsieur Tallot. Donc, on encourage nos autorités, non seulement du Mali. Oui. Quand vous avez des preuves, c'est vrai qu'il y a des choses où vous dites, OK, nous voulons aller sur la table de l'ONU, du Conseil de sécurité, que nous allons pousser la Russie et la Chine à sortir pour détruire ce Conseil de sécurité. Vous dites que nous allons là-bas mettre les preuves, d'accord. Mais en attendant que vous faites le voleur, le manipulateur, utilisez la manipulation tant que vous n'avez pas sorti la moindre preuve incontestable que ce manipulateur, tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Le manipulateur, le menteur, il va toujours continuer pour manipuler les gens. Donc, faites un effort à ce niveau-là. Merci. Merci. Merci à vous, Monsieur Tallot. Alors, Monsieur Shea Lawson, les espoirs qui sont mis clairement sur ce dialogue intermalien, pour vous, sont-ils jusqu'ici fondés? Ou alors, je reformule ma question autrement. Le dialogue intermalien peut-il réellement réussir ou a échoué, lamentablement, à l'accord de paix et de réconciliation d'Alger? Cet accord paraphé en 2015. Oui, Monsieur Nguéné, votre question est tout à fait pertinente. Il y a lieu de s'interroger sur, je dirais, les bien fondés de la nouvelle, le nouveau cadre de discussion entre Maliens. Vous savez, nous sommes en train d'assister visiblement à quelque chose de nouveau. Il y a une rupture, n'est-ce pas, par rapport à ce schéma qui est savamment construit, imposé aux Africains, qui consiste à les maintenir dans la dépendance, dans la domination, et pour à bien arriver à le faire, eh bien, on crée je dirais une forme de rébellion dormante ou active, donc un foyer de tension qui est assez incandescent et qu'on utilise à tout moment pour fragiliser les États africains. Et donc le Mali en est un exemple assez probant. Alors, ce qu'on assiste aujourd'hui est tout à fait différent de toutes les formes de dialogue, de négociation qu'on a vu dans le passé, parce que sur le plan des principes, sur le plan juridique, sur le plan même des fondamentaux du vivre ensemble, la dynamique est tout à fait à l'opposé. Le cadre d'abord, le cadre matriciel de cette discussion, c'est d'abord la constitution, la nouvelle constitution du Mali qui s'impose aujourd'hui à tous. Voyez-vous, et je voudrais rappeler ici l'article 30 de cette constitution malienne. Le Mali est une république indépendante
souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. C'est dans ce cadre aujourd'hui, que, je dirais, législatif, constitutionnel, que se tient donc le dialogue. Et tous ceux qui participent, participent à ce dialogue dans le sens, justement, du respect de la loi fondamentale du Mali. Avant, ben, c'est les puissances qui décidaient. C'est la France qui décidait, puisque l'objectif n'est pas d'unir le Mali, l'objectif c'est de le balkaniser, c'est de le dépecer pour obéir à une logique de prédation occidentale. Donc vous comprenez alors que la dynamique au niveau constitutionnel, au niveau législatif, au niveau même de la loi fondamentale, a une influence, un caractérise, structure même ce dialogue. L'autre élément fondamental aussi, le fait que ce dialogue-là est intermalien. Pas de force extérieure, pas de puissance extérieure. C'est en rupture par rapport à ce qu'on a connu. Rappelez-vous l'accord de 2015 que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y avait tellement de médiateurs. Il y avait l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO, ça n'en finit pas, l'UE, la France, mais c'était un accord morné. Et je dirais tout simplement que tous ces acteurs-là sont vraiment des outils dans les mains des Occidentaux pour semer l'illusion d'accord. En fait, il n'y avait que des accords sur les désaccords. Et ceci, il faut le rappeler, si nous convoquons l'historicité depuis l'indépendance, où le Mali, à la veille, parce que la fédération du Mali qui rassemblait la Côte d'Ivoire, le Soudan, le Sénégal, eh bien la France, qui, quand elle était dans toute sa domination coloniale, avait créé l'AOF, mais quand l'indépendance allait arriver, eh bien, elle a jugé de s'y soutenir, de balkaniser l'Afrique et de ne pas permettre cette union des Africains. Et pour certains, ils ont créé la rébellion. Donc la rébellion Touareg, depuis 1963, il a fallu un président visionnaire, un président panafricain, Modibo Keïta, pour mettre fin justement à cette rébellion. Mais c'est devenu un serpent de mer qui revenait régulièrement de saison en saison et qui perturbait même cette dynamique de vivre ensemble, cette unité, ce narratif national qui fait en sorte que les Maliens étaient complètement déboussolés. Je vais rappeler quelques dates. 1990, il y a eu insurrection. 1990, accord de Tamarasek. 1991, parc national. 2006, nouvelle insurrection. Il y a eu l'Azawad qui a proclamé son État et qui est soutenu par le Qatar. L'accord de 2013 n'a pas tenu. L'accord d'Alger, on a découvert finalement que l'Algérie était le ver qui était dans le fruit et qui, quelque part, participait à ce complot international de balkanisation du Mali. Donc, tous ces accords sur des désaccords n'étaient que des moyens de blaguer les Maliens. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans un cadre bien structuré, ordonné. Il y a des divergences entre Maliens. On peut discuter, on peut trouver des solutions, on peut tout discuter, tout sauf l'unité du Mali, sauf l'indépendance du Mali, sauf la balkanisation du Mali. De ce point de vue, les autorités, les cinq colonels, Assimi Goïta et toute son équipe, le Premier ministre malien, ils sont à féliciter, car aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle un État, c'est ça qu'on appelle un dépassement d'horizon quand il s'agit justement des fondamentaux du vivre ensemble. Et de ce point de vue, je pense que la porte, la main tendue à tous ceux qui ont pris les armes, qui ont été blagués par les Occidentaux, qui ont été instrumentalisés au nom
d'une forme de rêverie, hein, de créer des États comme la Zawad, et bien, toutes ces personnes-là aujourd'hui ont l'opportunité de venir à la table de négociation, de transformer leurs armes en fumant le calumet de la paix pour reconstruire ce vaste pays, ce pays digne, ce pays qui porte tous les éléments civilisationnels d'une Afrique fière, d'une Afrique dynamique, d'une Afrique qui a posé d'ailleurs les fondamentaux des droits de l'homme. Il faut se rappeler de la Charte de Mandé de 1236. Voilà ce que je peux dire comme élément. Et cette situation aujourd'hui augure justement une chance pour le Sahel. Et je pense que les Occidentaux, l'Algérie, tous ceux qui étaient des sorciers et qui portaient le chachis blanc, eh bien, ils en ont pour leur compte, mais ils vont revenir en force parce qu'ils ne veulent pas voir l'unité du Mali. Il faut rester vigilant, vigilance, vigilance, et encore une fois, vigilance. Merci à vous, M. Che. Anatole Albert, ici, le contexte est-il favorable aujourd'hui pour la réussite, justement, de ce dialogue intermalien, pour qu'enfin on se réconcilie, on cesse de se regarder en chien de faïence? De ce côté, ce contexte est-il réellement favorable aujourd'hui? Je crois que le contexte s'y est. Est-ce qu'il est favorable? Je pense. Je pense que en prenant cette initiative, n'est-ce pas, d'organiser un dialogue intermalien, les autorités, n'est-ce pas, de la transition malienne nous renvoient des messages. Le premier message, c'est que il faut que les Africains apprennent à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Je pense que là, quand vous regardez la composition de ce comité de pilotage, il n'y a pas d'élément extérieur, n'est-ce pas, de ce côté-là. Il n'y a pas l'Union européenne, je crois qu'il n'y a pas l'Union africaine dedans, il n'y a pas un représentant de la France. Il n'y a pas un représentant de Washington là-dedans. C'est se passe entre Maliens, dans toutes ces composantes sociologiques. Ils sont 140 ce comité de pilotage. Tout à fait, dans toutes ces composantes sociologiques. Ça veut dire qu'on a fait... Ils ont ratissé large, voilà. Vous avez tous les secteurs, n'est-ce pas, de la vie socio-économique. On parle des religieux, des politiques, des militaires, universitaires, magistrats, journalistes, responsables, associatifs, originaires des différentes parties du pays. Personne n'a été écarté. Absolument, mais sauf certains. C'est parce que, sauf ceux qui veulent importer les dynamiques justement contradictoires aux objectifs recherchés par ce dialogue, c'est-à-dire la paix, la cohésion nationale. Donc, si ces autorités estiment que ceux qui ne sont, vous pouvez être un problème, vous représentez une dynamique, n'est-ce pas, de menace, de danger, ou alors de déstabilisation aux objectifs recherchés par ce dialogue, il ne sert à rien de vous appeler. J'ose croire que notre fameux imam très sulfureux, Mamou Diko, il sera invité. J'espère. La perche qui lui sera tendue. En tout cas, j'espère. J'espère qu'il sera là parce que je crois que ce n'est pas l'Algérie qui doit pouvoir régler les problèmes maliens. Même s'il est vrai que l'Algérie, à un certain moment de l'histoire malienne, a joué un rôle majeur et crucial. Je pense que dans le contexte actuel, tous les voyants sont ouverts, n'est-ce pas, pour l'aboutissement heureux de ce dialogue. Nous pensons que je vous indiquais tout à l'heure que en prenant cette initiative, les autorités maliennes justement ont voulu envoyer deux messages. Le premier, je l'ai indiqué, c'est-à-dire qu'il faut que les Africains apprennent à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. La seconde raison, de mon point de vue, la seconde lecture qui convient de faire, c'est que absolument il faut véritablement assumer la souveraineté du Mali. Parce qu'il s'agit de ça. La souveraineté du Mali, parce qu'aujourd'hui, il faut impliquer justement les Maliens à la gestion du pays, à tous les débats qui concernent l'avenir de leur pays et leur propre avenir également. Donc, je pense que c'est important, c'est d'autant que les autorités maliennes ont inscrit le Mali dans la modernisation de la force des institutions, je crois qu'il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une révision de la Constitution.
il y a eu une réécriture la constitution. De la constitution malienne. Il était question donc de débarrasser la constitution malienne des oripeaux, n'est-ce pas, impérialistes qui constituaient un peu certaines dispositions de cette loi fondamentale, avec notamment ces liens avec certaines puissances étrangères, s'il faut les appeler comme ça, et surtout intégrer cette constitution dans le contexte actuel et dans la vision, n'est-ce pas, que portent les nouvelles autorités. Je crois donc qu'il est important aujourd'hui de pouvoir être optimiste. Oui. Il faut être optimiste parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les Maliens, en exception faite de ces Maliens qui sont financés de l'extérieur, pas de la société civile, certains acteurs de la société civile, certains acteurs politiques aussi, qui sont financés de l'extérieur. Et la majorité des Maliens pensent qu'aujourd'hui, le Malien doit revenir au Malien, le Malien appartient au Malien, et il appartient à, grosso modo aux Maliens de résoudre leurs contradictions, de résoudre leurs problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut aimer le Malien, personne ne peut aimer le Malien plus que même, personne ne peut aimer le Mali plus que le Mali. Voilà. Le Mali. Donc je crois que dans le contexte, il prête, c'est le temps que, en dépit du fait qu'il y a la rhétorique habituelle du retour à l'ordre constitutionnel, ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas une urgence, c'est le temps que tout le pays n'est pas pacifié, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pu recouvrer la totalité de l'intégrité territoriale du Mali, mais il y a encore des dynamiques de déstabilisation. De notre point de vue, ce qu'ils appellent l'organisation, les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel, ce n'est pas une priorité. Un effectif composé ou du moins constitué de 140 personnes, un dispositif bien assez inclusif, talo, on parle bien sûr des autorités qui sont allées chercher les Maliens de tous bords, religieux, politiques, militaires, universitaires, magistrats, journalistes, responsables, associatifs, originaires des différentes parties du pays. Le comité de pilotage est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, originaire de la région de Gao, dans le nord du pays. Il sera d'ailleurs secondé par un vice-président et deux rapporteurs. On note également la présence de plusieurs anciens ministres comme Zieni Moulay, Abdousso, Aminata Dramane Traoré ou encore le général Yamoussa Camara. Cette approche suffisamment inclusive, talon en dit long sur les chances que voudrait donner, du moins sur les chances de réussite que voudraient donner clairement les autorités à cette initiative, c'est-à-dire à ce dialogue intermalien. Est-ce que votre micro est activé, monsieur Talo? Oui. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons parfaitement. Ok, donc je disais tantôt que le problème qui a été créé et qui nous a été imposé par l'Occident a touché presque toute notre famille, partout au Mali. Même on n'a pas besoin d'être... Vous avez vu qu'il y a eu même des attaques jusqu'à Bamako. Donc presque toutes les communautés ont été touchées. Donc ces dialogues qui sont organisés sous l'égide de notre président Assimi Goïta, eh bien, il est important que toutes les couches de la population, toutes les communautés soient réunies pour être sensibilisées, pour qu'on parle. Parce que, comme je le dis et je le répète encore, le problème a été créé et nous a été imposé. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Mis à part ce que j'ai dit, se poser la question de dire comment est-ce qu'un être peut être pas accepté de pouvoir prendre une arme donnée par quelqu'un d'autre pour aller tuer les siens. Hein? Donc, on doit aborder ces situations, expliquer et à la fin aussi, puisque moi je pense, on va chercher là à nous déjà, nous entendre entre nous, vraiment à dire ok, on tourne la page. Mais il faut aussi pointer du doigt, parce que c'est l'erreur qu'on a commis ailleurs, pointer du doigt, et même les juges, les étrangers, c'est-à-dire les occidentaux, même à coutumance, les juger même symboliquement. Ceux qui ont amené, qui nous ont manipulés pour nous tuer. Si on se pardonne entre nous, mais eux, on doit les juger. Même symboliquement, pour qu'ils soient jugés, les présidents tels que les François Hollande, les Macron, les Sarkozy, tous ceux, les présidents comme les Barack Obama,
le Premier ministre de l'Angleterre. Il faut les juger même symboliquement, que ça rentre officiellement, parce qu'on ne peut pas compter sur l'ONU, parce que l'ONU, c'est leur machin. Comme on a vu, le Mali a demandé au début pour exposer les preuves contre la France. Ils ont refusé. C'est même ces charognards ont refusé de pouvoir que le Mali vienne exposer, et ils continuent de pouvoir dire au monde entier que le Mali doit mettre les accords d'Alger. Est-ce que vous voyez, on est en face des diables, c'est-à-dire qu'on est là en face des gens qui ne connaissent pas que la force. Et c'est ce que Poutine leur répond, leur force. Mais il faut se poser d'autres questions. Le Mali va pas. Moi, du peu de temps qu'on a passé là-bas, et puis après tout ce que l'excellent travail que nos autorités sont en train de faire, vous pensez que la population de base, la base de la population, vous pensez que la population est en conflit comme on le pense là? Ceux qui parlent de conflit, ceux qui parlent qu'il faut s'asseoir pour pouvoir parler, ce sont les gens qui cherchent des postes. Il y a parmi eux, pas tous, mais il y en a des gens, les gens toujours qui mettent le feu, qui sont manipulés. Ce sont ces gens-là qui disent qu'il faut qu'on s'asseoie pour parler. Vous pensez que si vous... Maintenant, excusez-moi. Vous faites maintenant, vous organisez un référendum au sein des Maliens, partout dans les régions du Nord, que ce soit au Sud, pour leur demander, est-ce que vous êtes toujours en conflit? Est-ce que vous avez compris? Vous parlez, ils vont dire que oui, j'ai toujours la haine. Oui, je suis de telle communauté, de telle ethnie, j'ai la haine de l'autre. Vous pensez? Moi, je ne pense pas. Mais ça n'empêche pas, on ne dit pas qu'il faut arrêter, il ne faut pas le faire. Mais il faut quand même le dire. Parce que ce sont les politiques. C'est eux qui organisent ces choses. Ils veulent que ces choses-là aient lieu. Parce qu'ils veulent qu'à la fin, on dise, OK, bon, mais on fait la paix. Bon, maintenant, on va se repartir un peu les postes. Toi, tu vas, on va te donner ça. Comme ça, tu vas te calmer. Et on va penser que oui, ils reprennent telle communauté. Ça dit qu'on ne va plus prendre les gens via le critère de mérite. Ça aussi, ça se cache derrière. Il faut faire attention à ça. Et il faut que ça cesse en Afrique. Qu'à chaque fois, on est là, on fait des dames. Et vous allez voir, ce genre de gens-là, je ne dis pas tous, hein, mais certains qui ont cette pensée, jamais ils vont, lors des débats, accuser l'Occident. Vous n'allez jamais. Ils vont toujours parler en disant que oui, c'est les Touaregs, oui, c'est les Mandins, oui, c'est celui-là, oui, c'est celui-là. On s'est opposé, il faut maintenant qu'on fasse la paix. Ils ne vont jamais remonter à la question, non? Nous avons été manipulés par la France. Ils ne vont jamais le dire. Et vous qui nous écoutez, qui vous allez participer à cette nous aimerons bien que vous invitez aussi les Panafricains là-dedans. Vous qui nous écoutez, faites attention, vous allez écouter, vous allez voir. Ils vont éviter de parler de la France. Ils vont éviter de parler des États-Unis. Ils vont éviter de parler de l'Allemagne. Ils vont éviter de parler de tous ceux qui sont à l'origine du conflit. Ils vont seulement se concentrer en disant que c'est entre nous. L'Africain responsable de rien de ce qu'il arrive. L'Africain a été manipulé. Dès qu'on t'affaiblit mentalement, tu deviens un objet de la personne qui te manipule. Tu ne peux pas accuser un fou de dire qu'il est responsable de sa folie. Nous sommes des fous bien portants. C'est-à-dire que notre pensée, notre manière d'agir, nos décisions ne proviennent pas de nous parce que ça a été forcé depuis l'éducation qu'on nous a inculpée, depuis les médias. Au Mali aujourd'hui, vous voyez que dans un lycée qu'on appelle Liberté au Mali, il y a une professeure française là-bas, occidentale, qui enseigne à nos enfants que l'esclavage a des avantages. Et elle dit qu'un de ces avantages, c'est les religions occidentales qu'on nous a amenées. Mais quand vous lisez dans le Code noir, qui est un code criminel écrit par la France, c'est via le Code noir, l'article 2 ou 3, qu'on a imposé les religions. L'article 3 dit qu'on n'accepte aucune religion, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas les pratiques de spiritualité africaine. Voilà comment nos spiritualités, nous, ce qu'on appelle, si, pour les gens, pour faciliter la compréhension, nos religions africaines ont disparu. Ils ont disparu parce que la France avait pris voté des lois, qu'on appelle Code noir, pour interdire et que imposer à nous de devenir des chrétiens, comme aussi font en fait les Arabes. Et cette prof dit que l'esclavage a des avantages. C'est là la question de l'éducation est fondamentale. Et dans les points qu'ils ont soulevés, mais les établissements étrangers qui sont au Mali, tels que les lycées, les trucs français, tout et tout. Quand un lycée, ici en Europe,
Quand vous ouvrez votre établissement, on vous dit, on vous impose le programme national de la France. On ne doit plus accepter qu'un lycée français au Mali puisse enseigner le programme français. Parce que là-bas, ce sont nos enfants aussi qui vont dans ce lycée-là. On doit imposer qu'ils doivent enseigner nos programmes, même s'il fait un lycée qui dit c'est un lycée français, anglais, américain, partout. Je parle là du Mali, je parle de l'Afrique en général. Voilà. Voilà. Merci à vous, Talo, d'ailleurs, pour ce regard sur la thématique. Nous allons sortir de ce sujet avec vous, M. Che et Lulo Son. Il est donc plus que jamais évident que les autorités maliennes veulent donner plus de chances de réussite, notamment à ce dialogue intermalien, en y associant, entre autres, tous les Maliens, clairement, venus de tous bords, revenant justement sur la composition même de ce comité de pilotage créé par décret présidentiel le 26 janvier dernier par le colonel Assimi Goïta. Voilà donc, M. Che Lulawson, pour sortir de ce sujet, visiblement, vous avez un avis tranché là-dessus. Il est évident et clair que justement ce dialogue intermalien, enfin, les Maliens pourront se parler avec franchise et avec sincérité. Oui, vous savez, le dialogue est au cœur de la vie politique, de la vie sociologique. Je crois que Anatole l'a évoqué tout à l'heure. Au cœur même de la démocratie africaine, il y a l'abapalabre. C'est-à-dire que ce regroupement des notables qui discutaient, qui échangeaient, et à la suite de ces échanges, il y a une décision qui est prise, qui est acceptée par tous, et cette décision devient loi, devient force de loi et guide de la société. Et donc le dialogue est au cœur même de la sociologie politique. C'est ça que les Occidentaux ont essayé de structurer sous forme de parlement. Et le parlement, c'est quoi? C'est des courants politiques différents, c'est des idées, n'est-ce pas, qui s'affrontent quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation pour en sortir le nectar, c'est-à-dire la décision la plus éclairée possible. Donc le débat, c'est dans le dialogue. Donc le dialogisme est tout à fait au cœur de la dynamique politique. Et ce n'est pas juste une question de force, ce n'est pas une question seulement une question militaire, même si on a pu gagner ou remporter des victoires sur le plan militaire, il faut ensuite faire la paix. Il faut construire cette paix, et cette paix ne peut que passer par un dialogue fécond, un dialogue permanent, un dialogue d'échange, de respect. Des minorités, de respect des principes fondamentaux qui puissent faciliter, n'est-ce pas, le vivre ensemble. Alors, ayant dit cela, il faut rester vigilant. Rester vigilant parce que le Mali est en transition. Et cette transition, c'est, je dirais, un mouvement, un déplacement, une rupture d'une forme de, je dirais, de contrôle, n'est-ce pas, de l'imaginaire des Maliens, de leur conscience, d'une forme d'aliénation au niveau des intellectuels, au niveau des politiques, au niveau des religieux, qui font en sorte que les Maliens ne possèdent pas eux-mêmes, n'ont pas le contrôle de leur destin, de leur destinée. Et c'est pourquoi il faut cette rupture qui passe justement par une dérivation de cette forme de démocratie qu'on nous a vendue, et cette démocratie qui est là juste pour blaguer les Africains. Et donc, on va vers une rupture et on embrasse maintenant la souveraineté. Et la souveraineté a ses principes, a ses valeurs. La souveraineté a un horizon, vous voyez. Et il faut donc se convertir soi-même. Sur le plan mental, il y a une forme de désaliénation qu'il faut faire au niveau des hommes politiques pour ne plus chercher à être, un, les instruments dans les mains des Occidentaux, deux, recopier comme un perroquet des formes de discours, de narratif occidental manipulé par ces
ces Occidentaux pour déstabiliser leur pays. On crie démocratie, on crie droits de l'homme, on crie des partis politiques, mais en réalité, ce n'est que du vent en réalité. Donc, nous, Africains, nous devons aussi faire cette rupture par rapport à ce narratif, à ce discours. Sur le plan politique. Sur le plan religieux aussi, il faut sortir de ce contrôle de conscience, penser qu'on va transformer l'État en des formes de califat, en des formes de théocratie où ce n'est plus la loi qui gouverne, ce n'est pas le peuple qui gouverne, mais c'est la foi dictée par une doctrine arabe qui va pouvoir contrôler tous les compartiments de la vie sociale, politique, économique. Là aussi, c'est quand justement, même... Justement, M. Cheylou Lawson, ce que vous relevez est pertinent parce qu'on sait que l'une des paumes de discorde parlant de cette nouvelle constitution du côté du Mali, c'était le fait qu'il soit mentionné, qu'on ait entre autres le mot laïcité dans cette constitution. Du coup, ça avait suscité l'indignation, entre autres, de l'imam Mamoudou Diko. Vous l'avez relevé d'ailleurs il y a quelques instants de cela. Donc, on comprend mieux l'argument que vous êtes en train d'avancer à l'instant. Tout à fait, M. Nguyen, vous avez raison de le mettre en relief. En effet, je faisais allusion à cela parce que c'est des Maliens, c'est des Africains dont la conscience, la foi est contrôlée par une doctrine arabe et qui a fait de ces Africains que des fidèles entre le Dieu. Entre l'Africain et le Dieu Allah, eh bien, au milieu, il y a les Arabes qui ont le pouvoir politique, le pouvoir sur leur conscience et qui dictent les règles de cette religion. Et alors, ces Maliens veulent, n'est-ce pas, exporter cela pour transformer tous les aspects de l'État, de la vie sociale, en fonction justement de ces dogmes, de ces principes qui viennent d'ailleurs. C'était assez problématique. Alors, il faut qu'on sorte de ces visions-là pour penser État, pour penser loi, pour penser principe d'organisation au-delà de ces partisaneries et qui fondent les valeurs, qui fondent la nation et qui s'appuient sur, je dirais, profondément dans le lien avec le passé, c'est-à-dire le Mali, c'est une civilisation millénaire qui porte des valeurs et des principes. On ne peut pas oublier tout ça, faire une amnésie pour s'accrocher à des pays qui ont à peine 200 ans. La Révolution française, ça date de combien? 1789. La Révolution en Amérique, aux États-Unis, ça date de combien? À peine 200 ans. Alors que ces pays sont très récents dans l'échelle de l'histoire. Et nous avons plutôt des civilisations millénaires. Et donc, on ne peut pas être bluffé par le discours de ces nouveaux-nés en réalité, alors que nous avons des racines profondes dans des formes de gouvernance, des formes de vie sociale, d'organisation de la société, et qui transcendent, qui tutoient des échelles de temps. On parle de millénaires, voyez-vous. Et donc, les Maliens doivent retrouver en eux-mêmes leur force, leur dignité et sortir de ces, je dirais, de ces éléments de contrôle de leur mental, que ce soit sur le plan politique, sur le plan sociologique, sur le plan religieux, pour fonder l'État. Et ça prend une direction, ça prend une autorité, ça prend quelqu'un pour montrer le cap. Et tout le monde marche en fonction de ce cap-là, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la nation, il s'agit du pays. On ne peut plus zigzaguer, on ne peut plus faire n'importe quoi, et c'est pourquoi la doctrine matricielle de la Constitution devient le cadre dans lequel tout le monde doit pouvoir évoluer. Et cette discipline est essentielle pour relever le Mali. Donc il ne s'agit pas de rassembler, n'est-ce pas, des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont un peu comme... Les caisses de résonance des intérêts étrangers et qui sont là à plaguer, à tambouriner, à faire du bruit, et tout, voyez-vous. Et à la fin de la journée, c'est eux qui sont encore porteurs de zizanie, porteurs de désordre,
porteur de division, porteur de guerre, porteur de violence, parce que quand vous analysez les éléments constitutifs de la violence, n'est-ce pas, au Mali ou dans le Sahel, vous posez la question, c'est quoi le fondement de cette violence? Quand vous voyez des guerres, ces guerres ont peut-être des significations, des raisons, des causes, soit c'est des causes idéologiques, les gens se battent pour une idéologie, les gens se battent sur le plan économique, les gens se battent sur des questions fondamentalement sociologiques, mais ici, il n'y a rien, c'est des gens qui prennent des armes, qui vont aller tuer d'autres personnes, et parfois, tu ne sais pas si ils parlent de au nom de la religion, mais quand tu interroges cette religion, eh ben c'est des musulmans qui tuent des musulmans. Donc on est complètement dans une forme de folie qui fait que nous ne sommes pas vraiment des hommes, nous ne sommes que des pièces manipulées par des puissances comme le Qatar qui déverse terroristes, qui déverse armes, qui déverse argent. Et qui veut saccager tout un pays, comme si nous, on n'a pas de cerveau pour réfléchir autrement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Un cadre organisé, oui. Des principes et des valeurs, un cap qui est fixé, une souveraineté, le respect de l'État, n'est-ce pas, et de ses principes fondamentaux, la montée en puissance de la force pour protéger le pays, et on crée à l'intérieur un cadre de discussion, d'échange, pour améliorer le débat public sur les enjeux de développement. Aujourd'hui, il s'agit de lever la patte. Il s'agit de se mettre au travail. Il s'agit de retrousser les manches pour travailler, pour amener le Mali à des sommets. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui veulent rentrer dans cette dynamique seront bien accueillis. Ceux qui ne veulent pas, eh bien, il faudrait que l'autorité s'applique, la loi s'applique et que ces gens soient écartés. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas ménager le chou et le chat. Il faut avoir un cap, il faut avoir une destinée, il faut que tout le monde marche dans une certaine direction. Mmh. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et lever la patte vers des sommets. Et ceux qui ne veulent pas monter dans cette dynamique, eh bien, comme une armée, ils sont obligés, n'est-ce pas, d'être mis à l'écart. Ils peuvent retourner dans ces pays là où ils sont manipulés. De toute façon, le Mali n'en a pas besoin. Mmh. Donc, il faut rester vigilant sur ces enjeux. Des principes fondamentaux, justement, pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Parlant de ce fameux accord, on ne sait même pas si on doit continuer de l'appeler accord de paix, puisqu'il n'a évidemment jamais réussi à amener la paix du côté du Mali. Vous souhaitez rebondir rapidement. Rapidement, je vais prendre à mon compte les éléments de langage. C'est un élément de langage de Thierry Lulusson pour indiquer quoi? Parce que ça devrait être l'objectif du dialogue intermalien. Mmh. C'est de redonner au Mali sa grandeur. Mmh. Parce que, vous savez, lorsque les leaders d'opinion européens, lorsque les opinions françaises, pour quelquefois portées par Jupiter, parlent du Mali, mais on parle du Mali comme si le Mali était un pays qui n'a pas une histoire. Le Mali, c'est un empire. La charte de l'ONU est inspirée de la charte de Mandeng. La première charte de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire, ça vient du Mali. Jusqu'à preuve du contraire, l'homme le plus riche au monde reste africain, il est malien. Mansa Moussa, c'est le plus riche, l'homme le plus riche de l'histoire que l'humanité n'ait jamais connu. Vous avez des milliardaires en dollars, mais ils n'ont jamais atteint, le niveau de la fortune qu'avait ce monsieur. Le Mali, c'est un vaste empire. La première université que le monde ait connue, c'est au Mali, l'université de Tombouctou. Donc, quelquefois, il faut donc que les Maliens, les nouveaux Maliens, les Maliens actuels, ces générations, redonnent au Mali sa grandeur, y compris ceux qui ont choisi de prendre les armes contre l'histoire du Mali. C'est ça qui est la question. Mmh. Parce que le Mali, lorsqu'on parle du Mali, il faut parler du Mali avec respect. C'est important de ce qu'il dit là. C'est très important. Parce que très souvent, nous parlons du Mali, comme si le Mali n'avait pas une histoire, comme si le Mali, c'est un pays qui ressemble un peu à la Belgique ou bien à la France, qui n'a que l'histoire, n'est-ce pas, des conquêtes, l'histoire des croisades. Le Mali, c'est autre chose. C'est important ce qu'il dit. Donc, il est donc important que ce dialogue intermalien qui se veut inclusif,
il reçoit un dialogue qui rassemble, oui, et qui rappelle aux Maliens, quel que soit leur bord, l'histoire du Mali. Que ça dit que le Mali, c'est une puissance. Le Mali, c'est une très grande, une histoire glorieuse. C'était toujours important de regarder, de lire l'histoire, de regarder l'histoire. Donc, nous pensons que, au-delà de cette dynamique, n'est-ce pas, contradictoire, des dynamiques de collaboration, oui, avec, n'est-ce pas, avec l'impérialiste, les impérialistes, avec ceux qui sont dans les dynamiques de reconquête du Mali et qui collaborent, au-delà des dynamiques de trahison, parce qu'il y en a toujours, et c'est tout important, oui, d'avoir dans les luttes, dans l'histoire des luttes, il y a toujours des trahisons. Il y a des, dans l'histoire des luttes, il y a des collabos. Oui. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Et c'est ce qui démontre à suffire que vous êtes dans, sur la bonne voie. Lorsque vous avez dans vos rangs les traîtres, et il y en a, et qui sont nombreux au Mali. Vous en avez qui ne sont pas des patriotes, vous en avez qui ne sont pas des panafricains, comme vous et moi. Vous en avez qui pensent que, oh non, les décisions prises par les autorités maliennes de sortir, de se retirer de la CEDEAO, ça va amener le pays tout droit dans un mur, dans le gouffre. Oui. Vous en avez tout ce genre de personnes qui vont vous tenir ce genre de discours parce qu'ils pensent que vous n'êtes pas capable de vous autodéterminer, que ce soit les, parce que c'est l'Union européenne, n'est-ce pas, l'ONU, les États-Unis qui doivent vous servir, n'est-ce pas, de béquille pour avancer. Ce qui est faux. Donc, je pense que tout à l'heure, nous avons évoqué plusieurs points. Oui. La réécriture de la Constitution qui va aboutir à la modernisation des institutions démocratiques, n'est-ce pas, du Mali, qui va donner une autre vision au Mali, c'est-à-dire que le Mali puisse jouir de ses matières premières. Ça va permettre de créer les emplois. C'est ça qui est la question. Donc, je pense que, comme le disait tout à l'heure, j'ai lu le son, il ne faut pas que les dynamiques religieuses viennent caporaliser ou bien confisquer le débat politique, viennent pervertir le débat politique, oui, et pour enfin, n'est-ce pas, doucher les espoirs, n'est-ce pas, de modernisation et de développement du Mali. Éviter les erreurs du passé, parlant justement de ce dialogue inter-malien. Voilà donc qui met un terme à cette première thématique, cette première partie d'émission. La deuxième, en rapport justement avec l'initiative de paix en Ukraine. Souvenez-vous, c'était au mois de juin 2023. Une délégation africaine conduite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'était rendue à Kiev, puis à Moscou, pour soumettre à la Russie et à l'Ukraine un plan de paix. Un plan de paix décliné en 10 points, parmi lesquels on pouvait par exemple lire, entre autres, la désescalade des deux côtés, la reconnaissance de la souveraineté des pays tels que reconnus par les Nations Unies, les garanties de sécurité pour toutes les parties prenantes, la levée des entraves à l'exportation des céréales via la mer Noire, un plan de paix qui avait immédiatement été jugé difficile à implémenter sur le terrain. L'initiative de paix africaine du côté de l'Ukraine aujourd'hui semble également ne pas emballer le bloc occidental plus disposé. On le relevait d'ailleurs à l'entame de cette émission de For You Matin. Le bloc occidental plus que jamais disposé à œuvrer pour infliger une défaite à la Russie qu'à chercher un règlement pacifique et durable. Une approche qui signifie clairement l'exclusion de 54 pays du continent africain dans la recherche de la résolution du conflit de ce côté. Monsieur Talo, d'entrée, le plan de paix semblait déjà difficile à implémenter sur le terrain à l'issue justement des entrevues entre la délégation conduite par Cyril Ramaphosa et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore le président russe Vladimir Poutine. Cette fois, c'est le bloc occidental clairement qui s'y oppose. Est-ce à dire que le continent africain n'est pas à même justement de dire un mot, voire de trouver des solutions qui pourraient éventuellement être prises en considération dans la résolution de ce conflit du côté de l'Ukraine? Ça va au-delà de cela.
le plan de paix qui avait été proposé par les Africains. Nous en avons débattu ici lorsque nos présidents africains se sont rendus là-bas. Nous avons examiné point par point chaque point de ce plan de paix. Et nous en avons conclu que ce plan de paix était plus favorable à l'Ukraine, donc aux Occidentaux, qu'à la Russie. Parce que vous venez là juste de rappeler l'un des points qui dit que la reconnaissance des frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie devrait se retirer des territoires sur lesquels il y avait les populations russophones qui étaient massacrées par les Ukrainiens, qui sont utilisées par les Occidentaux. On est bien d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point de paix était fait pour. Et j'en suis persuadé qu'avant de partir, aller rencontrer les deux, on dit les deux protagonistes, mais ils sont plusieurs parce qu'il y a la Russie, hein, il y a tout l'Occident, même si on dit seulement l'Ukraine. J'en suis sûr, je suis sûr que les Occidentaux ont dû jeter un coup d'œil pour leur dire oui, c'est ça, c'est bien, vous allez. Vous voyez que, à part l'Afrique du Sud, hein, il y avait les présidents tels que Macky Sall, si je me souviens bien, des présidents qui étaient déjà soumis. On avait vu que le président de l'Érythrée, juste, je crois, quelques jours avant, il est parti là-bas. On s'est demandé pourquoi lui, il n'est pas parti avec eux. Parce qu'on a vu que lui, c'est quelqu'un qui tient un discours et il a tenu un discours interviewé franc. Il ne va pas par mille chemins, le président de l'Érythrée. On n'en parle pas souvent ici. Hein? Donc, ils ont vu que ce n'était pas des choses. Les présidents, les vrais présidents africains, là, qui sont des présidents qui veulent l'indépendance de l'Afrique, ne se sont pas rendus là-bas. On a vu ceux qui s'étaient rendus là-bas. Ils ont parlé de céréales, mais ils n'avaient pas rappelé que quand la Russie avait fait don de céréales à l'Afrique, les Occidentaux pleuraient que les Africains vont mourir, les Africains vont mourir. Et quand la Russie a fait le don de céréales aux Africains, ce céréale a été volé par les Occidentaux. Quand ils étaient partis là-bas, ceux-là même, les Macky Sall qui étaient partis pour pouvoir parler de céréales que la Russie avait effectivement livrés, ils n'ont pas rappelé au président russe que, ben voilà, nous sommes venus voir, mais sachez que, même si vous le saviez, mais on le dit maintenant officiellement, que les céréales que vous nous avez données ont été détournées par les Occidentaux. Ils n'ont pas dit ça. Donc, ils étaient partis pour les Occidentaux. Tout ça nous montrait. Donc, aujourd'hui, on nous dit que les Occidentaux ne sont pas d'accord pour cet accord de paix. Bon, là, si vous dites, ça veut dire que l'Afrique est écartée. Déjà, ce n'est pas vraiment notre proposition. Parce que nous, on sait que cette guerre, c'est une guerre contre l'Afrique. Moi, j'ai l'habitude de le dire ici. La guerre que mènent les Occidentaux en utilisant l'Ukraine contre la Russie, c'est parce que les Occidentaux ont vu que la Russie est en train continuellement de libérer les Africains de l'esclavage monétaire ou ce qu'on appelle esclavage en général occidental en Afrique. Derrière, on date qui a commencé et qui a fait qu'on est arrivé à ça, c'est lorsque la Russie est allée libérer, chasser, libérer les sous-traitants. On est donc tous les Noirs que la France a amenés pour. Donc, la Libye est allée à aider la Centrafrique à se débarrasser de ça. Et je dis la Libye, la Russie. C'en est conséquence, la Russie aussi a aidé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et un peu partout dans beaucoup de pays africains, ils ont réfléchi. Là, réfléchissent déjà. Pourquoi nous continuons à chaque fois à aller, chaque fois à chercher à reconquérir les États africains? Alors, si la Russie est toujours derrière et que maintenant la Russie est décidée à faire des transferts de compétences sur le plan surtout militaire, il va falloir que nous détruisons la Russie. C'est pour cela qu'ils ont déclenché cette guerre qu'ils avaient déjà préparée depuis contre l'Ukraine. Vous vous rappelez des accords de Minsk? Le président Hollande, la chancelière, c'est je dis président, c'est criminel là. Hollande, la chancelière, la criminelle, comme on appelle Angela Merkel, c'est eux-mêmes, c'est pas nous. Hein. Et ils ont déclaré que ils ont signé les accords de Minsk, mais c'était juste pour tromper. C'était pour tromper la Russie, c'est-à-dire que ça leur permettait de pouvoir armer l'Ukraine, utiliser les Ukrainiens comme la chair à canon. Ils ont massacré, utilisé le peuple là pour le faire massacrer pour parce que pour leur bien et le bien de leurs enfants, leurs descendants de demain, parce qu'il s'agit de ça.
Donc, cette guerre, quand les Africains se sont levés pour aller là-bas, pour aller dire, demander à la Russie, nous, on n'est pas d'accord, enfin, pas totalement d'accord, parce que, oui, on veut la paix, mais la paix, pas que ça revienne contre nous. Faut pas que ça revienne, parce que la Russie ne se bat pas seulement pour elle, la Russie se bat aussi pour l'Afrique. Hein. Il faut que nous comprenions ça. La Russie a compris que ces gens, s'ils ont, ils mettent la main totalement sur l'Afrique, ils vont devenir de plus en plus forts, eh bien, ils vont détruire la Russie. Et la solution, c'est quoi? C'est qu'il faut une Afrique forte. Il faut une Afrique tellement forte. La Russie n'a pas peur que l'Afrique devienne forte. Si la Russie avait peur, la Russie n'allait jamais armer, permettre à la Corée du Nord de détenir l'arme nucléaire. Parce que si la Russie a un au point peur, elle n'allait pas aider la Chine à détenir l'arme nucléaire. Elle n'allait pas aider l'Iran aujourd'hui à fabriquer des missiles intercontinentaux et puis peut-être demain avoir l'arme nucléaire. La Russie n'a pas peur. Pourquoi elle ne le fera pas pour les Africains? La Russie fera pour les Africains. Et ils le savent. Ils savent que c'est un danger pour leurs descendants. On parle là des descendants, de notre descendance. Parce que aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont tout ce qu'il faut. Ils vivent bien, majoritairement. Mais ils se projettent dans les 100, 200, 300, 300, 500 millions à venir. Ce qui se joue aujourd'hui. Nous, et beaucoup d'entre nous ne prennent pas conscience. Ils pensent à leur visa. Ils pensent aujourd'hui à vivre bien avec leurs enfants. Mais ils ne pensent pas à ce que nous allons laisser. Nous, panafricains, nous pensons à 500 ans. Nous pensons à 1000 ans, nous pensons à 2000 ans, nous pensons à 4000 ans. C'est pour cela que nous appelons ces présidents de l'AES là, les trois là, ils sont déjà beaucoup avancés. Nous leur disons, si vous pensez à l'Afrique, vous pensez vraiment à l'avenir de l'Afrique, vous devez maintenant profiter de la protection russe pour mettre en place l'État fédéral. Maintenant, ça se joue maintenant. Et nous revenons sur l'histoire de l'éducation. L'éducation, c'est maintenant. De l'année prochaine, on doit enseigner les humanités passées. Mettez de côté l'histoire de dire et l'éducation pour le Mali, pour le Burkina, pour ça. Si vous voyez comme ce que nous voyons là, vous devez déjà dire au ministre des éducations, de l'éducation, et il doit être profondément panafricain. Il se rencontre, il met un plat. Mmh. Il faut appeler à toutes les stations pour mettre un. Le programme est là. Hein. Demandez à Maman Mazama. Demandez à ces gens-là. Nous, on a tous les livres. Hein. On a tout. Il suffit juste de prendre une décision maintenant. De dire, maintenant, on va enseigner les hiéroglyphes. On va enseigner. C'est ça. Parce que les bases de toutes les écritures, ça vient de nous. Donc, pour vous dire, revenir sur le sujet, leurs histoires de dire le fait de ne pas prendre en considération les 54 pays africains, déjà. Ces accords qu'on a amenés, nous, c'était minimaliste, en fait, pour nous. Parce que ça ne protège pas. La Russie nous protège, nous devons aussi protéger la Russie. Ça ne protège pas assez la Russie, pour moi, les accords, même la proposition africaine. Ça ne défend pas la Russie. Elle nous défend. Nous devons défendre la Russie. On doit, c'est ça qu'on appelle être un vrai ami. Celui qui te vient pour te sauver, s'il est en difficulté, tu dois, quelles que soient les conditions, même quelle que soit la puissance de l'ennemi, tu dois être prêt aussi à être avec lui. Et nous sommes avec la Russie. Voilà. Vous ne pouvez pas le savoir. Et je sors par là. Imaginez, dans des pays tels que le Mali, Burkina, Centrafrique, le nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause des Occidentaux et qui continuent de perdre la vie à cause des Occidentaux, sans parler de France CFA. Voilà. Merci à vous, Talo. Monsieur Chielou, lorsqu'au mois de juin 2023, ce plan de paix du continent africain avait eu du mal, n'avait pas trouvé écho favorable aussi bien du côté de Moscou que du côté de Kiev. Cette fois, c'est le bloc occidental qui s'y met. Est-ce qu'il fallait s'y attendre forcément, M. Chielou Lawson, ou du moins vous, pour vous qui avez eu vent, ou du moins pour vous qui avez pris connaissance justement des points qui sont évoqués, avez-vous l'impression que véritablement on ne s'est pas suffisamment penché sur l'essentiel qui pourrait éventuellement conduire à une résolution à long terme du conflit de ce côté? Oui, je pense tout à fait objectivement que, disons, la mission de bons offices
conduite par les Africains pour essayer, n'est-ce pas, d'amener les deux parties à un cessez-le-feu, à une paix, peut être considérée comme une démarche humaniste, mais complètement, je dirais, sans une profonde réflexion sur la géopolitique. Vous voyez, si l'Afrique veut peser sur l'échiquier mondial, si l'Afrique veut reconnaître sa puissance géopolitique, l'Afrique doit repenser à son repositionnement, l'Afrique doit penser sa défense, l'Afrique doit pouvoir réfléchir autrement que cette mission, je dirais, assez ridicule en soi, parce que vous ne pesez pas grand-chose, on vous reçoit par courtoisie, après, on ne vous respecte même pas parce que vous leur perdez du temps. Vous voyez, regarde, 53 ou 54 pays... Mais n'est-ce pas avoir une vision assez minimaliste tout de même de la capacité du continent africain à pouvoir dire un mot sur ces sujets, ou du moins sur ces conflits, notamment sur le plan international, M. Shey Lolosson, n'est-ce pas avoir une vision assez minimaliste sur la capacité du continent africain à pouvoir porter un regard bienveillant tout de même sur les crises à travers le monde entier? Ben, vision minimaliste, oui, parce que les Africains eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Vous voyez, imaginez toute la puissance du continent en termes de ressources stratégiques, en termes de, je dirais, positionnement géoplanétaire. Nous sommes l'Afrique est l'île qui est au cœur, n'est-ce pas, de la dynamique même de la planète Terre, du point de vue de toutes les ressources, de toutes les intelligences. Mais nous ne pensons pas notre dynamique. Nous sommes un peu comme des gens qui n'ont pas de portée, de projection géopolitique. Nous subissons, nous ne pensons pas à notre propre défense. Imaginez que l'Afrique s'est organisée et a pensé sa puissance, dispose par exemple de l'arme nucléaire. Avec ce qui se passe en Ukraine, si l'Afrique s'impose ou s'invite dans le débat et demande à l'Europe ou à l'OTAN d'arrêter ce conflit, ça va s'arrêter. Mais aujourd'hui, quels sont les rapports de force qui vont nous permettre d'imposer, par exemple, la paix? On ne peut qu'aller supplier. On ne peut que jouer sur des sentiments. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter ça? C'est pas bien, etc. Nous souffrons. Mais ça, ça ne s'invite pas dans un rapport de force géopolitique. Donc, c'est pourquoi je dis que l'Afrique doit repenser, doit prendre conscience de toute sa puissance, doit repenser à son positionnement géopolitique, doit travailler sur les leviers qui fondent son poids, hein, son point d'inertie, de façon à ce que, sur le plan géopolitique, quand l'Afrique parle, tout le monde entend. Et bien pour le faire, il faut travailler sur soi, il faut s'organiser, il faut prendre conscience de tout son potentiel et le mettre en exergue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de mon point de vue, il me semble qu'il y a ce travail préalable et si ce travail préalable n'est pas fait, bien évidemment, on va toujours rejeter d'un revers de la paix, peut-être si on nous considère un peu par courtoisie, sinon, eh bien, on ne nous respectera pas. Imaginez ce qui se passe en Ukraine. Pour pouvoir le comprendre, convoquons par exemple l'ouvrage géopolitique écrit par Brzezinski, qui s'appelle le grand échiquier, primauté américaine sur les impératifs géopolitiques. Mais c'est un ouvrage très intéressant qui trace le cadre théorique de ce qui se passe aujourd'hui. Brzezinski a publié son ouvrage en 1997 et le livre présente une analyse stratégique, géopolitique, pour les États-Unis, qui estiment que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a, après la guerre froide, la dynamique de la guerre froide, il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui qui menacent la suprématie
et qui menace l'hégémonie américaine. Et pour cela, il faut être proactif en termes de défis, saisir les opportunités et créer même des dynamiques de guerre pour s'assurer de l'hégémonie des États-Unis. Et donc, l'OTAN sert de cette armée protège d'une certaine façon cette hégémonie, l'Europe étant à la remorque des États-Unis, mais la menace vient d'où ? La menace vient de la Chine, puisque la Chine, à travers sa réorganisation sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan démographique, eh bien, la Chine est en train de monter en puissance et la FMI vient de déclarer tout récemment que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale à dépasser les États-Unis en termes de produits intérieurs bruts. Et donc, cette montée de puissance effraie absolument les États-Unis qui, depuis 1975, à travers donc la politique de la planche à billets du dollar, se sont énormément endettés et les Chinois disposent des bons de trésor qui font que toute la dette, n'est-ce pas, américaine, eh bien, c'est les Chinois qui l'ont. Et l'or qui garantissait le dollar au début des années 45, aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas cet or-là. Et donc, c'est une bulle qui risque de s'éclater, mais tout simplement parce que ça leur a permis de renforcer leur capacité militaire à travers le monde, 800 bases à travers le monde. Donc, c'est cette puissance militaire qui donne confiance à certains pays ou qui font peur à d'autres pays et qui essaie de maintenir cet équilibre instable. Mais donc, voyant que la Chine est en train de créer une fissure, n'est-ce pas, dans cette architecture... En 30 secondes, M. Xi. Il fallait donc endiguer la Chine. On ne peut pas le faire tant que l'ours russe reste dans sa tanière. Donc, il faut monter toute une stratégie pour affaiblir militairement la Russie. Et donc, ils ont monté ce plan-là. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Poutine a montré qu'il est stratège militaire, politique, économique et a réussi donc à renverser le paradigme. Et donc, les Européens sont tétanisés ce choc dans lequel ils se retrouvent aujourd'hui. Eh bien, ils ne peuvent pas accepter que l'Afrique propose, n'est-ce pas, la paix des braves, parce que la paix des braves consacre leur défaite et France accélère les particules de ce monde multipolaire qui rebrasse les cartes où l'Europe va retrouver sa place vraiment congrue, n'est-ce pas, 15% de la population mondiale, alors que cette Europe, cet Occident, pendant plus de 600 ans, s'est permis justement de jouer au tout-puissant et de blaguer l'ensemble de l'humanité sous fond de violence, de prédation et d'imposition de ce qu'ils appellent leurs mœurs, mais qui en réalité aujourd'hui se retrouvent comme des prédations. Donc voilà, nous en sommes là. Et donc, je termine pour dire que si nous mettons tous ces éléments sur la table, l'Afrique doit repenser donc en association, en collaboration avec la Russie, penser sa défense, penser son hégémonie, penser sa puissance, se projeter au-delà du continent pour imposer également son rapport de force et changer la dynamique mondiale pour assurer la vraie paix, pour que vraiment le rapport de force détermine justement cette paix sur le plan mondial. Merci à vous, M. Xi et Lou Lawson. Avant de revenir sur le plateau pour prendre votre réaction d'épée, je voudrais tout d'abord que nous prédions ce téléspectateur qui nous appelle depuis le Bénin ce matin. Il s'agit de M. Komla Xavier qui est avec nous. J'espère que vous nous recevez parfaitement. Très cher monsieur, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, bonjour. Je vous reçois très bien. Voilà, allez-y, vous êtes en direct, vous êtes en ligne. Et que Dieu bénisse votre télévision et que vous ayez toujours la poigne, l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer dans ce sens afin que l'Afrique désormais soit inondée de ces informations pour être mieux aguerrie. Je remercie For You Media, je remercie M. Lasson et M. Talo Talo et celui qui est sur le plateau avec vous. Et je voudrais dire que par moment,
Le signal parfois est perturbé. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que les techniciens vont s'y atteler pour que cela puisse être bien perçu, pour qu'on puisse bien suivre les émissions de For You Media. Quand j'ai dit ça, je reviens en disant que je pense que pour le Mali, comme l'a dit un de vos invités, et avec l'avènement de l'AES, il faut que désormais on puisse plus parler du panafricanisme au lieu d'enseigner, comment appelle-t-on, la culture en autarcie de ces États-là. Vous voyez? Et ça, là, j'ai beaucoup apprécié cela. Vraiment, je vous encourage et que l'Éternel Dieu soit le rempart de vos ennemis. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous, Monsieur Xavier Kambla depuis le Bénin ce matin, pour ce regard justement sur la première thématique en rapport avec la tenue très prochainement du dialogue inter-malien. Comment faire pour éviter les erreurs du passé? C'était ça le thème, le premier thème de ce matin. Je ne sais pas si nous devons rester au standard ou alors revenir sur le plateau. Je pense que nous allons revenir sur le plateau avec notamment le concours de la réalisation ce matin. Non, non, je pense qu'on va repartir au standard. Allô, bonjour à vous. Est-ce que vous nous recevez? Non, nous revenons sur le plateau. Anatole Albera, ici, le plan de paix, l'initiative de paix africaine ne passe pas aujourd'hui au sein du bloc occidental. Pour M. Chélou Lawson, ceci a une explication simple. L'Afrique, du moins en termes de puissance, l'Afrique ne représente pas grand-chose sur la scène internationale. Si véritablement le continent africain avait son mot à dire, clairement, on ne devait pas, justement, entre autres, assister à ce à quoi on assiste actuellement, où le bloc occidental peut se permettre de se réunir et de dire que les Africains, eux, sont qui pour dire, ou du moins pour apporter un plan de paix en 10 points du côté de l'Ukraine. Est-ce que vous vous alignez justement sur le même argument? Ou alors, vous avez d'autres arguments qui peuvent justifier le fait qu'aujourd'hui, ce plan de paix de 10 points ne trouve pas écho favorable au sein du bloc Déjà, il occidental? faut noter, monsieur, que les émissaires de l'Union africaine, je crois que c'est sur la bannière de l'Union africaine, qui se sont rendus respectivement en Ukraine et en Russie. Oui, au mois de juin 2023. Voilà. Et je crois que ils ont été un peu naïfs. Ils ont été naïfs pour deux ou trois raisons. La première, la coalition internationale qui est actuellement engagée en Ukraine contre la Russie, a pour commandant en chef qui? Les États-Unis. Les États-Unis, ils ne veulent pas d'un cessez-le-feu du côté, ni d'un plan de paix, ni d'un cessez-le-feu du côté de l'Ukraine. Donc, les dirigeants africains ont été naïfs de penser qu'ils pouvaient Absolument. imposer, hein, ou du moins Ah œuvrer oui. pour un cessez-le-feu Ni du tout. de ce côté. Ils ont été naïfs de ce côté-là, puisque Washington a la même posture, a la même posture du côté du Proche-Orient. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à varier dès lors que des questions, n'est-ce pas, liées au génocide, Oui. au niveau de la violation du droit international sont évoquées. C'est là où il a un peu varié sa position du côté du Proche-Orient. Mais c'est la même posture que Washington a adoptée du côté de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de plan de paix possible, il n'y a pas de plan de sortie, parce qu'il faut faire fonctionner le complexe militaro-industriel. Sur le fallacieux prétexte, n'est-ce pas, de lutter contre, n'est-ce pas, de lutter contre, de faire la guerre à la Russie, pour avoir envahi l'Ukraine. Mais lorsque vous prenez la situation au premier degré, vous avez le sentiment que non, la Russie a véritablement envahi l'Ukraine. Mais les analystes qui constituent un danger pour la pensée, il n'y a pas des analystes, des analystes de l'Hexagone, des Américains et consorts, du bloc européen, qui sont un danger pour la pensée, pour la vérité, ne vous diront pas que en Ukraine, la Russie a anticipé ou bien a réagi à n'est-ce pas, à des actes de provocation.
à des actes d'agression de sa frontière, de son territoire, a réagi à la menace que représentait l'OTAN avec ses bases du côté de l'Ukraine. Ils ne vous diront jamais cela. Ils ne vous diront jamais qu'il y a eu une violation par l'OTAN des accords du Minsk 1 et Minsk 2. Je crois que c'est Angela Merkel qui nous a dit que... Oui. Talotalo l'a d'ailleurs relevé il y a quelques instants, que c'était juste pour permettre... c'était pour gagner du temps. Ça a dit que c'était pour... Voilà, que c'est en réalité allé les violer royalement. Donc ça, c'est le premier point de naïveté des émissaires de l'Union africaine qui sont allés en balade du côté de l'Ukraine et de la Russie. Le second point de naïveté, c'est quoi? C'est que lorsque vous lisez le bréviaire des mondialistes qui s'appelle le protocole de Toronto, je crois, dans son chapitre, je crois 4 ou 5, portant sur la commission trilatérale. Au niveau de la commission trilatérale des protocoles de Toronto, l'Afrique n'existe pas. L'Afrique, elle n'existe pas. Elle ne figure même pas du tout. C'est pour cela que vous avez un projet de reconquête du continent africain. C'est-à-dire que, je crois que ça a été dit par Talo, il est question de transporter sur le continent africain la guerre qui se passe actuellement en Ukraine. Parce que pour eux, la Russie, c'est le grand Satan, c'est le grand ennemi, c'est l'ennemi à battre. Et puisque vous avez donc des pays africains, certains États africains qui sont alignés derrière l'Ukraine, je veux dire la Russie, il faut absolument les bannir, leur faire la guerre. Je crois que dans le contexte, justement, de cette crise de russo-ukrainienne, vous avez Washington qui a décidé de sanctionner certains États ou ces dirigeants qui s'étaient alignés derrière la Russie. Ça veut dire qu'on vous interdit même votre souveraineté de vous aligner, de choisir qui vous voulez, soutenir ou pas. C'est-à-dire que Washington vous dit cela. Ça, c'est le second point de naïveté, n'est-ce pas, des émissaires de l'Union africaine qui pensaient que le continent africain, qui ne représente rien pour eux, pouvait avoir un mot à dire dans ce bagarre entre les éléphants. Puisque le continent africain, je vous ai dit tout à l'heure, n'existe pas dans la commission trilatérale, dans le projet. La preuve, c'est que là où l'Union européenne a au moins 5 représentants au Conseil de sécurité avec droit de veto, on vous dit que le continent africain va avoir une place. Et vous en avez qui se réjouissent. C'est-à-dire un continent de 54 États, on vous dit que vous aurez une place au Conseil de sécurité. Vous n'avez même pas un droit de veto. Les mêmes gens vous disent que dans le G20, vous aurez une place. Je ne sais pas si nous avons des dirigeants qui réfléchissent avec les pieds ou avec la tête. C'est ça. Quand vous voyez ces éléments, on va sortir factuels, par là, DP. Vous pensez que le continent africain est respecté sur la scène internationale? Non. Le continent africain, pour eux, c'est une zone d'influence. C'est une zone d'influence. C'est la terre des matières premières qu'ils viennent puiser pour faire fonctionner leurs industries, pour faire fonctionner leur économie. Le troisième point de naïveté. Vous avez déjà cité trois, le quatrième peut-être. Non, le quatrième point de naïveté, c'était quoi? C'est que parmi les 10 points, ils ont évoqué un problème qui fait problème. Lequel? Le point sur les céréales. La levée des entraves à l'exportation des céréales via la mer. Voilà, ça veut dire qu'on va dire, on a envie de dire au bloc occidental que nous avons faim, vraiment cessez votre guerre, nous avons faim, il faut que nous ayons les céréales qui sont bloquées en Ukraine et en Russie. Voilà. Lorsque vous évoquez... Il y avait des irrégularités même dans les points parlant justement de ce plan de paix. Absolument. Donc, déjà, dans le contexte de la crise russo-ukrainienne, il s'agit là de la survie des mondialistes. Pour eux, si la Russie gagne cette guerre, c'est terminé. Le basculement géopolitique est amorcé. Maintenant, je veux rejoindre l'un des points d'analyse, de Thierry Lusson, qu'il faut que l'Afrique se fasse entendre. Et pour que l'Afrique se fasse entendre, l'Afrique doit opérer un véritable basculement géopolitique. C'est ça. Et sauf qu'il y a des discordances. Il y a des discordances au sommet de l'Afrique, du continent africain. C'est là que vous soyez du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe. Il n'y a pas de point de convergence. Vous avez toujours des points de divergence. La preuve, c'est que... Ce qui rend difficile, justement, bien évidemment, ce basculement. La preuve, c'est que quand vous allez, lorsque vous êtes invité sur divers sommets qui vous sont
auquel vous devez participer, auquel vous êtes invité à participer, vous n'avez pas de points de convergence, encore moins de convergence d'intérêt. Voilà. Merci à vous, Anatole Alberaï. Si nous sommes au terme, nous sommes arrivés au terme de cette émission de For You Matin, on ne saurait terminer sans toutefois vous remercier Talo Talo. Je rappelle que vous êtes ingénieur des systèmes réseau, vous êtes également conseiller panafricain, un habitué de ces plateaux de For You Matin. Merci à vous, Talo Talo. Merci Yéné, merci encore à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont toujours présents pour écouter les informations que nous avons partagées avec eux et que leur intervention aussi, pour pouvoir éveiller le peuple et aussi le travail qu'ils font une fois que ici l'émission a arrêté. Nous croyons, nous savons que eux, ils vont maintenant dans nos langues africaines auprès de ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir Internet, d'avoir les chaînes de télévision. Ils leur propagent la nouvelle. Vous devez, dans le village, prendre ces nouvelles-là, les faire les vôtres, et puis maintenant aller libérer les peuples, libérer mentalement les peuples en leur exposant. Et c'est pour cela, pour arriver à parvenir à ça, nous appelons toujours sans nos autorités de pouvoir aider les chaînes panafricaines, Formu Média et autres, pour aider financièrement, bien sûr, pour qu'on puisse agrandir le réseau des panafricains. Parce que regardez, en face de nous, il y a une plénitude de réseaux d'aliénation, même africaine, dans nos pays. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus que notre réseau. Nous sortons à l'eau en 10 secondes. Donc, voilà. Créez-nous maintenant l'État fédéral d'Afrique maintenant. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchiani. Nous voulons aujourd'hui, et nous voulons aussi que le programme éducatif, le contenu pour ces pays-là, les trois-là, soient les mêmes. On ne veut pas votre histoire-là de dire le Mali à part, le Burkina à part, le Niger à part. Merci. Merci à vous, Talo. Talo, conseiller panafricain, M. Chélo Lawson était également de nôtre ce matin. Je rappelle que vous êtes le leader du projet panafricaniste Pyramide, le président du mouvement pour un Togo nouveau, coordinateur de la diaspora togolaise. Merci à vous, M. Chélo Lawson. Merci beaucoup, mon cher frère Baudelaire. Merci pour cette invitation. Je dirais pour conclure tout simplement que nous sommes en guerre. Et puisque nous sommes en guerre, nous devons rester vigilants. Et je conseille à tous les panafricains de lire L'art de la guerre de Chun Tzu. C'est absolument important, c'est fascinant. Le pouvoir, c'est aussi la stratégie. Et Machiavel l'a dit, l'art de la simulation et de la dissimulation. Nous devons comprendre donc que les rapports de force, c'est justement cette capacité de protéger, de projeter l'intelligence dans la causalité, et ça aussi, c'est ça qui est au cœur de la géopolitique mondiale, et nous ne devons pas rester justement de marbre par rapport à ces enjeux-là. Donc, merci pour tous ceux qui ont suivi cette émission. Je remercie donc la direction et vous-même, Guéné. Vous faites un travail formidable, vous forcez notre admiration. Merci à vous, M. Chélo Lawson. Depuis, nous sommes ensemble, Anatole Albera ici. Bien évidemment, je crois que l'unité politique, ce n'est pas un leurre, c'est possible. L'unité politique, parce que si nous avons l'unité politique, nous aurons le reste. Je pense que c'était ça le rêve, n'est-ce pas, des pères précurseurs du panafricanisme, n'est-ce pas? Donc, nous pensons aujourd'hui que pour que l'Afrique soit respectée, il nous faut un nouveau leadership, et ce leadership doit être porté par la nouvelle génération de dirigeants. Une nouvelle génération de dirigeants pour porter justement ce nouveau leadership. Le mot de fin d'Anatole Albert Aïssi, journaliste, directeur de publication de Bimartial, Le Cactus. Voilà donc qui met un terme à cette dernière édition de la semaine de For You Matin sous les antennes de For You Media Africa. Merci à vous d'avoir été nombreux ce matin à l'écoute. Pour vous qui nous avez également suivis en direct, en haut de moi, en relais sur la 96.3 FM. Merci à la grande équipe, la réalisation. Portez-vous bien, nos programmes se poursuivent sur For You Media Africa. Allez, à plus, bonne journée.